Hey, 안녕하세요. Ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment dire les noms des Stray Kids en coréen. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur des groupes de K-pop. J'ai déjà fait une vidéo sur BTS, Blackpink, Seventeen et d'autres. Donc n'hésite pas à aller les voir. Je t'ai mis le lien de la playlist dans la description. Et dis-moi dès maintenant en commentaire, quel est le prochain groupe que tu aimerais que je traite en vidéo? Et si vous êtes nombreux à vouloir d'un groupe en particulier, eh bien, ça sera le suivant. Aussi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. On est parti pour Stray Kids. Stray Kids se dit en coréen Stray Kids. Stray Kids. Donc c'est exactement Stray Kids en anglais qui veut dire les enfants errants mais avec la prononciation coréenne. Lee No. Lee No. Qui a pour vrai nom Imino. Changbin. Changbin. Qui a pour nom complet Sa Changbin. Hyunjin. Hyunjin. Son nom complet est Hwang Hyunjin. Bangchan. Bangchan. Il a principalement vécu en Australie et il a un nom à consonance anglaise, Bang Christopher. Han, qui a pour vrai nom Han Jisung. Pilix, Klix. Il est né en Australie sous le nom de Lee Felix. Seungmin, Seungmin. Qui a pour nom complet Kim Seungmin. A-I-N, A-I-N. Qui a pour vrai nom Yang Jung-in. Et voilà, si t'aimes apprendre le coréen avec la K-pop, sache que j'ai sorti un magazine web mensuel qui enseigne le coréen, donc des mots de vocabulaire et de la grammaire pour niveau débutant et intermédiaire en analysant les paroles de chansons coréennes. Le premier numéro sorti ce mois-ci était sur la chanson de BTS Boy With Love, mais chaque mois, il y aura un nouveau groupe. Et ça te permet d'apprendre plein de choses de manière ludique avec tes chansons préférées. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. En commentaire, n'hésite pas à me dire le prochain groupe que tu aimerais que je traite en vidéo. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. T'as aimé, voyons.